Là, on a changé de fusil d'épaule, on est passé sur une lentille sphérique. Donc on va avoir des faisceaux qui sont beaucoup plus nets par rapport à la lentille de Fresnel. On va pouvoir avoir des beaux gobos dans l'espace. Donc là, dans le Boran, on a équipé avec 6 gobos. On a un triangle, un carré, une étoile. Gobos métalliques qui permettent d'avoir un meilleur rendement et de transmettre plus de lumière du coup. On a les couteaux qui sont plus similés à des barres d'or. On peut fermer entièrement. On a la Trécro habituelle, un CTO. On a rajouté 2 roues de couleur. On a la première roue de couleur qui est plutôt saturée comme on a déjà sur le Ghibli. Et une roue de couleur qui est un peu plus pastel, qui avec des quarts de CTO, luminous green. On est sur un zoom 8-64 degrés, qui fait que sans la lentille de Fresnel, donc avec la lentille sphérique, on a quasiment un bâton plutôt bim. Genre un module de 750 watts en S, parce qu'on l'a en deux versions. En S, on est à 38 000 lumens, 6500 température de couleur en sortie. Et en TC, on est à 31 000 lumens, avec un rendu de couleur, un IRC de plus de 90 et une température de couleur 5007. On va commencer à livrer incessamment sous peu, le temps de régler 2-3 petits détails. Mais l'allure de la machine, ça changera pas, les fonctionnalités, ça changera pas. Alors le CAMSIN, toujours avec le même module de LED, 750 watts, toujours en deux versions, le S et le TC. Donc 39 000 lumens en S et 32 000 en TC, donc un peu plus de flux. On retrouve toujours le module de couteau, full frame, tout pareil. Il y a 2 roues de gobo tournant, une roue de couleur, la Trécro, le CTO. Il y a deux prismes, oui, tout à fait, deux prismes, deux frosts. Le zoom, c'est 7.5 à 53, 54. Les gobos nets partout. C'est vraiment quelque chose de très, très compact. La même taille que le Ghibli. À savoir que le radiateur, il fait à peu près cette taille-là, alors que dans le Ghibli, c'est quasiment comme ça. Donc on a encore bien travaillé sur tout ce qui est thermie. Ça, c'est un prototype, ouais. Enfin, un premier produit. Il sera en quantité normalement au LDI.